présenter nos excuses pour la seule et simple raison, ça fait un bail que nous n'avons pas eu l'occasion de vous présenter des vidéos, mais ça c'est que c'est indépendant de notre volonté. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons attaquer quand même un genre que j'appelle souvent le genre le plus proche de la réalité, le genre le plus complexe, qui n'est rien d'autre comme vous le constatez derrière moi, le roman. Alors, d'abord, avant de nous plonger au cœur de ce qui nous intéresse, je veux juste attirer votre attention. Le roman est loin d'être la poésie. Parce que certaines croient que voilà, la poésie égale roman, pour là, c'est les simples raisons, poétiquement parlant. 99% des cas des sujets, vous avez les fonctions de la poésie. Mais le roman ne doit pas se passer comme ça et ça ne se passera pas comme ça. Dans le roman, vous avez minimum 4 types de sujets possibles. Lesquels? Nous avons d'abord un sujet sur le roman qui peut parler des personnages. On va y revenir après dans nos prochaines vidéos sûrement. Le deuxième type de sujet pouvait tomber sur les fonctions du roman. Le troisième type de sujet pouvait tomber sur la réalité et la fiction. Le sujet qui semble être le plus large, ce que j'appelle souvent la bête noire des élèves. Il y a aussi le quatrième type de sujet qu'on appelle la révolte formelle, c'est-à-dire les néo-romanciers ou bien les romanciers qui refusent catégoriquement les caractéristiques du roman traditionnel. Donc les gars, encore une fois, ne tombez pas dans le piège. Maintenant, nous avons le sujet. Est-ce les fonctions? Est-ce les personnages? Est-ce la réalité et la fiction? Est-ce ce qu'on appelle la révolte formelle? C'est très simple. Là, si on parcourt, un roman doit-il ouvrir les yeux du lecteur sur la vie et le monde ou au contraire lui permettre d'échapper à la réalité? Une chose est sûre, on ne peut pas avoir les personnages, ça c'est clair. Pour la seule et simple raison, il n'y a pas un seul mot qui nous renvoie vers le personnage. Maintenant, si on dit le roman permet d'ouvrir les yeux, forcément, alors le romancier essaie de conscientiser son lecteur. Ou bien le roman nous permet d'échapper ce qu'on appelle à la réalité. Le roman nous plonge dans un monde évasif. C'est la raison pour laquelle les lecteurs sont obligés de travailler sur les fonctions du roman comme je l'ai noté. Alors, dans ce cas de figure, l'élève, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Il doit comprendre que dans ce sujet, il est question de travailler sur les fonctions du roman. Maintenant, avant de revenir sur les sujets, il me semble important pour l'élève de comprendre réellement quelles sont les fonctions du roman, pour avoir une bonne aperçu, bien entendu. On a tendance à dire que, sur les fonctions du roman, d'abord, il faut les comprendre sur une première angle. Laquelle? Le grand 1, nous avons ce qu'on appelle la fonction non engagée du roman. La fonction non engagé du roman. Alors, dans cette fonction non engagée, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est que le romancier ne se soucie pas des problèmes de la société. Le romancier ne prend pas position, il n'éduque pas, il ne dénonce pas non plus. Donc, dans ce cas de figure, forcément, la question que l'élève se pose, quelles sont les fonctions qui se situent dans ce qu'on appelle cette phase non engagée? Dans ces fonctions, nous avons ce qu'on appelle la toute première fonction du roman, qu'on appelle la fonction divertissante, ou bien la fonction première, ou bien la fonction de base, comme vous voulez. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle la fonction lyrique du roman. Alors, dans ces deux phases, qu'est-ce qu'on entend par la fonction divertissante? C'est lorsque le romancier cherche à aider son lecteur à se débarrasser des problèmes de la vie, à évoquer ce qu'on appelle le stress. Le romancier, dans ce cas de figure, il essaie de plonger son lecteur dans un monde sublime, dans un monde fabuleux, dans un monde extraordinaire. Autrement dit, il privait ce qu'on appelle l'imagination. Le roman devient un moyen de plaisir. C'est la raison pour laquelle, vu Descartes l'a dit, le roman n'a pas à délivrer des messages. Qu'est-ce que le roman alors? Le roman, c'est l'évasion. À défaut de dégager des citations, l'élève peut passer par les œuvres romanesques. Toute œuvre romanesque qui relève de l'invraisemblance, c'est-à-dire la fiction, peut faire l'objet d'une fonction divertissante. Nous avons ce qu'on appelle le tour du monde en 80 jours de M. Jules Verne. Nous avons ce qu'on appelle les commandes de Gibraltar de Syrian. Nous avons l'Odyssée d'Homère, nous avons Harry Potter de Joanna Rowling, etc., etc. Ce sont des romanciers qui aident le lecteur à se débarrasser des chagrins, des suites de la vie, à évoquer le stress. Deuxièmement, toujours dans la logique de la fonction non engagée, nous avons le roman lyrique, plus connu sous le nom du roman autobiographique. Dans ce cas de figure, pour pousser définitivement la compréhension, il faut essayer de la comparer avec la poésie lyrique. Le poète raconte sa vie, le romancier raconte sa vie. Le poète revient sur les erreurs qui ont marqué son existence, le romancier fait la même chose, avec la présence de la première personne. Mais sachez que dans cette fonction lyrique du roman, comprenez-la sur deux angles. D'abord, le romancier nous plonge dans ses souvenirs, ou bien le romancier devient un convivant vis-à-vis de ses lecteurs. Qui est le romancier qui nous plonge dans ses souvenirs? Nous avons le Guinéen Kamara Lay dans L'Enfant Noir, ou bien les mots de Zamborsak. Dans L'Enfant Noir, Kamara Lay, il revient sur ses souvenirs d'enfance, car il dit « J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je ?»
Nous avons aussi l'autre aspect qui fait allusion à ce qu'on appelle à la confiance, comme le cas de Jean-Jacques Rousseau. Il devient un confident vis-à-vis de ses lecteurs. Autrement dit, dans ce cas de figure, le romancier, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se rectifier de ses erreurs, de ses péchés commis. C'est la raison pour laquelle, dans les confessions, Rousseau l'a dit, je veux montrer à mes semblables un homme dans toute sa vérité naturelle, et cet homme, ce sera moi. Et il pousse trop le bouchon. Rousseau dit, même le jour du jugement dernier, je serai devant le beau Dieu, accompagné de mon livre entre mes mains. Et là, vous avez ce qu'on appelle le roman lyrique. Et maintenant, la deuxième phase, ici, vous avez le grand nom sur la fonction non engagée, je l'ai bien dit. Maintenant, la deuxième phase, maintenant, il s'agit maintenant de comprendre le roman engagé. C'est-à-dire, le roman est engagé, ou bien le romancier est engagé, lorsqu'il se soucie des problèmes de la société. Soit il édite, soit ce qu'on appelle il dénonce. Justement, cet engagement tourne autour de deux angles, comme j'ai dit tantôt. La première angle, vous avez ce qu'on appelle le militantisme. Le militantisme. Maintenant, la deuxième angle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle l'éducation en quelque sorte. Alors, dans ce cas, dans le militantisme, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos précédentes, il y a le verbe militer. C'est-à-dire, le romancier est militant lorsqu'il dénonce l'injustice, l'inacceptable vécu par la société, le romancier prend position en faveur de ce qu'on appelle du peuple. Autrement dit, il devient ce qu'on appelle le porte-parole des sans-voix. Le romancier se convertit en guide. Le romancier, ce qu'on appelle, représente, comme j'ai dit, la voix des sans-voix. Ici, dans le militantisme, vous comprenez qu'il y a quatre types d'engagement. Comme je l'avais annoncé dans ma vidéo, dans mes vidéos précédentes, sur le militantisme, nous avons l'engagement social, nous avons l'engagement religieux, nous avons l'engagement politique, nous avons ce qu'on appelle l'engagement culturel. Pour toucher ce qu'on appelle l'engagement social, il faut aller le chercher du côté des misérables de Victor Hugo, qui dénonce la peine de mort. Il revient sur, il dénonce ce qu'on appelle la dignité de l'homme, bafouée. Hugo remet en cause la manière dont on humilie les femmes et les enfants. C'est la raison pour laquelle il a dit dans la préface des misérables, tant qu'il y aura une condamnation du fait des lois, des problèmes sur la dignité humaine, la déchéance faite à la femme, à l'enfant, des livres, comme les misérables pourront être toujours vécus. Politiquement parlant, il faut aller les chercher ce qu'on appelle du côté de Amadou Gourma dans les soirées des indépendances qui met l'Afrique sur le bas des indices au lendemain des indépendances. Qu'est-ce qu'il dénonce? Quels sont les mots qui gardent l'Afrique? Nous avons la dictature, nous avons la xénophobie, nous avons le parti unique, nous avons les coups d'État, nous avons la corruption, etc., etc. C'est la raison pour laquelle le partisan du mouvement de la négritude, qui appartient plus précisément à la période de la désillusion du romanisme africain, bien entendu, déclare sans hésiter. Toute mutation politique en Afrique s'accompagne inévitablement d'injustice et de celle des hommes parce que les griots, les marabouts, les maîtres des pouvoirs traditionnels, les chefs d'État sont tous des corrompus. Pour aller très vite, nous avons ce qu'on appelle l'engagement éducatif. Dans ce cas de figure, l'écrivain ne dénonce pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Le romancier cherche à inviter la société à changer de comportement. Autrement dit, le romancier se comporte comme un médecin au chevet de son peuple malade. Dans ce cas de figure, il faut aller le chercher du côté de la romancière sénégalaise qui n'est rien d'autre que Mariam Aba, dans une série longue lettre, qui incite la société à ouvrir les yeux sur les maux qui gagnent la société sénégalaise. Lesquels? Les problèmes de caste, nous avons la polygamie, nous avons ce qu'on appelle les gâchements dans les cérémonies, etc. Là aussi, elle a incité pour, en frappant sur les yeux des parents, qui refusent quand même de donner la bonne éducation à leurs enfants. Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ça? Le rêve d'une ascension fulgurante pour certains parents a donné plus de pouvoir que d'éducation à leurs enfants. Et là, il faut aussi aller les chercher du côté de Colorado. Qu'est-ce qu'il nous dit? On ne lit pas un roman, on se lit dans un roman, le roman est une leçon mémorable que chaque lecteur doit décrypter pour son propre usage, pour ne se dégager des écrivains là. Maintenant, en grosso modo, ça, ce sont les fonctions traditionnelles du roman. Alors, maintenant, si vous maîtrisez cette colonne vertébrale, le sujet de derrière moi ne posera pas de problème. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, comprenez que, quel que soit Alpha, ce que j'ai énuméré, vous le retrouverez ce qu'on appelle là-bas, certains aspects, bien entendu. Alors, ici, je l'ai dit tantôt, nous avons comme thème général le roman. Pourquoi? Parce qu'en parcourant le sujet, qu'est-ce qu'on a dit? Un roman doit-il ouvrir les yeux du lecteur sur la vie et le monde ou, au contraire, lui permettre d'échapper à la réalité? Là, vous avez constaté que nous avons deux aspects. Alors, avant les deux aspects, aujourd'hui, vous avez constaté que j'ai fermé la consigne. C'est une manière de dire au bac. Certes, l'élève a 90% de tomber sur les consignes améliorées. Mais il n'est pas dit qu'à 100% les consignes seront améliorées. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai jugé nécessaire de travailler avec vous sur les consignes fermées. Parce que vous avez clairement aperçu, partagez-vous ce point de vue. On avait dit, on pouvait dire, êtes-vous de cet avis, que vous expliquez pour vous, exposer cette conception, montrer les limites, aller au-delà. Donc, c'est ça qu'on appelle une consigne fermée. Là, l'élève est obligé de sortir le grand jeu. Comment sortir le grand jeu? L'élève est obligé de comprendre les fonctions du roman et chaque aspect fait allusion à ce qu'on appelle à quelle fonction. Maintenant, je l'ai dit, nous avons un sujet dialectique.
Sujet dialectique, maintenant, vous avez l'habitude d'entendre ça. C'est-à-dire un sujet qui a plusieurs points de vue. Où se trouve le premier point de vue? Où serait le premier point de vue, moi? Un roman doit-il ouvrir les yeux du lecteur sur la vie et le monde? Et là, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, où, au contraire, lui permet d'échapper à la réalité. Alors là, vous avez ce qu'on appelle un sujet dialectique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le thème, vous avez le roman, entre parenthèses, ce sont les fonctions. L'aspect 1, je l'ai noté, vous avez ce qu'on appelle l'aspect 2. Maintenant, l'élève est obligé de sortir le grand jeu concernant ce qu'on appelle le sens. C'est-à-dire, le sens, en réalité, c'est le problème des élèves. Ce qu'il faut éviter au niveau du sens, il faut éviter de cibler les fonctions. Par exemple, l'élève qui sait que ça, c'est la fonction engagée, ça, c'est la fonction divertissante, il dit, le roman est engagé ou divertissant. Ça, c'est interdit en dissertation. Dans ce cas, il faut chercher le maximum de synonymes possibles. Mais si vous ne connaissez pas les synonymes, il ne faut pas inventer. Mais au moins, il y a certains synonymes dont vous êtes obligé ce qu'on appelle de connaître. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un roman. C'est ce que j'ai noté. Un roman, j'ai dit, doit-il ouvrir les yeux du lecteur sur la vie? Doit réveiller le lecteur ici. J'ai l'écouté. Doit réveiller le lecteur sur la vie et ses réalités. C'est-à-dire que ses réalités, c'est le monde. Parce que le monde est bourré ce qu'on appelle de vie, parce que c'est le peuple qui est en danger. Donc le premier aspect n'est rien d'autre que un roman doit rêver le lecteur sur la vie et ses réalités. Alors maintenant, on dit ou au contraire, il faut laisser ou au contraire. On va y revenir tout de suite. Ou au contraire, lui permettre, c'est-à-dire, ça est là, ou au contraire, lui permettre, alors ici, d'éloigner, c'est-à-dire d'échapper à la réalité, c'est-à-dire au réel. Donc quel est le sens? L'élève dira, un roman doit réveiller le lecteur sur la vie et ses réalités, ou au contraire, lui permettre d'éloigner du réel. Vous avez ce qu'on appelle votre formulation ou bien le sens. Maintenant, sur la problématique, là, ça doit attirer votre attention. Vous avez vu que j'ai problématisé le deuxième aspect. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que le deuxième aspect accompagne ce qu'on appelle au contraire. Attention, les gars. Au contraire, et ou, ce n'est pas la même chose. Si vous avez un ou seulement dans un sujet, alors que la consigne est fermée, l'élève peut choisir. Mais s'il y a le ou au contraire, c'est le deuxième aspect où se trouve le ou au contraire qui deviendra forcément ce qu'on appelle la partie appuyée pour ne pas dire la thèse. Ne tombez pas dans le piège. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit. Si vous avez un sujet dialectique à chaque fois, il faut problématiser la partie confirmée. Ici, la partie confirmée, c'est ou au contraire, lui permettre d'échapper à la réalité. C'est la raison pour laquelle je l'ai problématisé. Qu'est-ce que j'ai dit? Un roman doit-il réellement permettre au lecteur d'échapper à la réalité? Alors là, vous avez ce qu'on appelle la problématique. Maintenant, la consigne est fermée. Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la thèse? J'ai bien dit, et j'insiste, s'il y avait le ou tout court, vous pouvez choisir. S'il y avait ou tout court, l'élève qui prend le premier aspect, c'est-à-dire le roman qui est engagé, qui nous permet d'ouvrir ce qu'on appelle les yeux sur la vie et le monde, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? L'élève qui met ça comme une thèse, il prend la distraction, c'est-à-dire le roman nous permet d'échapper à la réalité comme nuance, il a raison. Un élève qui fait l'inverse aussi, il a raison. Mais dans ces conditions-là, à l'instant où je vous parle devant le sujet, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de travailler sur la distraction. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle le ou au contraire. Donc, sur la thèse, nous avons ce qu'on appelle la distraction. Sur la nuance, nous avons ce qu'on appelle la fonction engagée. Maintenant, dans ce cas de figure, forcément, l'élève va se poser la question, mais monsieur, dans cette fonction engagée, est-ce la fonction éducative? Est-ce la fonction militante? Alors là, c'est très simple, parce qu'on a clairement dit, le roman aide le lecteur à ouvrir les yeux du lecteur sur la vie et le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Le roman nous permet d'avoir ce qu'on appelle des informations. Le roman nous permet ce qu'on appelle de comprendre ce qui se passe réellement. Dans ce cas de figure, très rapidement, on peut clairement dire qu'effectivement, l'élève peut travailler sur les deux, s'il veut. Parce que quand l'écrivain est militant, il dénonce l'injustice, ça permet ce qu'on appelle aux uns et aux autres de comprendre ce qui se passe réellement, ce qu'on appelle dans la vie. Quand l'écrivain aide ce qu'on appelle à nous aider à ouvrir les yeux, à comprendre ce qu'on appelle les choses, à se démarquer des mauvais comportements, là aussi, on peut dire que ça devient ce qu'on appelle la fonction engagée. Donc, dans cette fonction engagée, vous êtes libre, c'est quartier libre. Soit vous travaillez sur l'éducation, ou bien sur le militantisme, ou bien les deux, personne ne vous sanctionnera parce qu'on n'a pas précisé. Maintenant, au niveau maintenant de votre thèse, c'est le divertissement. Alors maintenant, je suis obligé quand même de m'arrêter là. Nous revenons quand même dans 15 jours pour tenter de nous plonger au cœur de l'introduction, expliquer quand même les grandes parties, c'est-à-dire la thèse et la nuance, et la synthèse, si le temps nous le permet. Donc, je vous remercie de votre attention. Oui, de